Ça va, mon gars? Ça va, toi? C'est rare de te voir ici. Y'a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de venir voir si tout se passe bien? Putain, Boras. Y'a mon hier, il a dit que c'est le premier vendredi du mois. Ça veut dire les salaires, ils sont tombés. Donc tu perds pas de temps entre les clients, d'accord? Eh, ça sera ton plan d'étrape un jour. Ça sera le tien, ma gueule. Avec ton gars, Brahim. Avec un chinois limitateur aux mille voix. On sera là. T'imagines toutes les meufs qu'on pourra serrer, frère? On sera plus où donner de la tête. T'enflamme pas, là. Pour le moment, je suis juste un petit bicraveur, frère. Et toi, bah... Moi? Toi, t'es quoi, déjà? Moi? Mais moi, c'est simple. Moi, c'est un bon gosse, je te jure. C'est un taf en plein temps, frérot. Ah ouais, bah tu dois être au chômage, alors, en ce moment, non? Excuse-moi, c'est toi le gars de Sergio? Ouais. Et toi? Y'a moyen que tu nous fasses monter dans le studio? Non, c'est chaud, les gars. Franchement, y'a grave du monde ce soir. C'est un bordel. C'est pas possible, je suis désolé. Si je te fais moitié prêt. Ils sont avec toi, eux? Non, je les connais pas. Quoi? Comment ça, tu me connais pas? Viens là, fils de pute, là! Viens là, wesh! Bon, lâche la fesse, c'est bon, là! Eh, gros! Bien sûr qu'il me connaît, j'étais avec lui il y a deux minutes! Bonne soirée. Vas-y, viens, on y va. Bonne soirée. Bonne soirée! Allô? Ouais. Allô, Fred, je suis à l'antenne, là? T'es en direct, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. Salut, Clément. Un million de questions me viennent en tête. Ma star, t'es le boss du rap game. J'entends ta voix dans le tel. Je connais ton parcours par cœur. Tu sais que dans la street on t'aime. Mais je sais que t'aimes pas les suceurs, donc je vais pas faire dans la dentelle. Ma star, j'avoue, t'es le roi du hardcore. J'ai acheté tous tes albums. Je suis saoulé, je vois mes couplets comme si je mélangeais les alcools. Putain, ce soir j'ai pas de bol. Je suis resté sur le pas de porte. Donc je t'ai écrit un texte. Ma plume bébé gay, j'ai la patte folle. J'ai trop de questions, je me demande pourquoi. Vu que t'ignores tous tes fans. Te fatigue pas, je vais répondre pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la crème te donne. Il a osé te dire que ta bouche sente la sodomie. Redescends de ton trône et affronte le fait pas le Tommy. Bientôt la ménopause pour toi, tu n'as plus d'autonomie. Apache. Ouais, c'est lui, c'est Clément qui est en train d'arriver. Le fameux Clément qu'on avait en ligne il y a quelques minutes. Viens, viens Clément, rentre dans le ring. Tiens, laissez passer Clément, laissez passer. Les gars, s'il vous plaît. On va essayer de bien l'accueillir. Il a eu le courage de monter. Installe-toi Clément, vas-y. Prends le casque. On va t'ouvrir ton micro. Voilà, bienvenue dans ce Planète Rap consacré à ma star. Qu'est-ce que tu foutais en bas d'ailleurs, Clément? Bah en fait, je faisais une livraison. Ça fait où? Je suis mon type. Et ça fait où? Charge mon Tipeee. Et ça fait où? Charge mon Tipeee. Apache. T'as tout niqué, t'as plié le game là. T'as écouté? Mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Mais parce que c'était pas prévu. Vous êtes où d'avoir fait ça, ah les gars? Ouais, c'est passé trop vite, frère. Je t'ai même pas regardé, frère, je suis choqué. Ouais, il devait être pressé. Ben, ça serait moi, j'aurais répondu. Hein. Faut pas planter Mounir, les gars. Il a raison. Mounir, il va nous rendre fou tous les deux si on n'y va pas. Faut livrer. Eh ben, tu te débrouilles. Eh ben, c'est comme ça, on arrête de travailler ensemble. Quoi? C'est okay, ouais. Ah non, c'est mort. Ah non, j'ai envie de venir avec vous, moi. C'est pour la bonne cause. Quelle bonne cause? Je t'explique, ça a rien de parler 15 ans. Je sais pas conduire le scooter, je peux pas livrer. Donc c'est mort. Ok? Alors? Bah allez! Ah! Allez, vas-y, viens avec nous. Et en plus, j'ai des grands projets, moi, pour mon frérot. T'es masque que je viens de prendre comme follower! Mais non. Mais tu penses, y'a des meufs qui nous ont follow? Comment ça, nous ont follow? Toi, personne qui t'a follow, Brahim. Pourquoi personne ne m'a follow? Eh, on est trois dans cette aventure, ma gueule. Ok, et toi, tu chantes, toi? Moi, je chante. Attendez, allez, les gars, y'a la meuf d'Omega qui est en train de m'appeler, là. Les frères? On a rendez-vous chez Omega. Arrête, tu mens. Ma parole. Omega. On passe aux choses sérieuses. Mais Sergio, moi aussi, Mounir, c'est mon grand. Je l'aime à l'envers à personne. Il sait très bien comme moi comment il s'énerve. Pour l'instant, juste je parle avec ses gens, je gratte où je peux, il y a du buzz, faut en profiter. Ouais. Bah alors, vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Apache, c'est ça? Ouais. Je les accompagne. Ok. Inès vous attend, je vous accompagne dans les bureaux. Merci beaucoup. Clément,
Ça va? Ouais. Bah, Nino, je te présente Apache qui vient d'enregistrer un feat avec ma star. Comment on va? Tranquille? C'est un honneur de te rencontrer. Franchement, je suis totalement fan de ce que tu fais. Merci, frérot, ça fait plaisir. Je connais pas, mais je vais écouter ce qu'il fait. De toute façon, s'il laisse sa valide, c'est que c'est bon déjà. Tu vas signer chez Omega? Bah, écoute, moi, ils m'ont appelé, donc je suis là. Commence pas à leur monter la tête. Non, c'est une première rencontre. Premier rendez-vous, c'est toujours important. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, Annie. On s'attrape? Grave. Direct? Ouais. Force, mon ref. Hein. Merci beaucoup. Bon, on voudrait le tourner dans la semaine. Très bien, ok. C'est parfait, en plus j'ai des idées pour le clip. Et vous voulez le tourner où, le clip? Bah écoute, j'ai besoin d'Berger. Toi, t'es nouveau dans le game. Mm-hmm. Il faut que t'imposes ton univers, t'as capté? Ouais, grave. Donc moi, je vais tourner ma partie de mon côté, et toi, tu vas tourner ta partie de ton côté. Comme ça, chacun amène son univers. Ok, mais ça veut dire que du coup, je serai jamais avec toi à l'image? Mais ça, c'est pas grave, une prochaine fois. Le plus important, là, c'est toi. C'est ton image, ton style, Apache. C'est ça qui est important. Ouais. Excusez-moi, mais on n'y connaît rien du tout, nous. On a jamais tourné de clip avant ça. Qu'est-ce qu'il a, il flippe ton pote ou quoi? Non, c'est bon, c'est rien, t'inquiète. Donc t'es chaud? Ouais, je suis chaud, ultra chaud. Moi, je vous le dis. Après, c'est mon avis. Mais Master, ça l'arrange bien ce qui se passe là. Si tu regardes, il a des équipes. Il a de la thune. Nous, on a rien, les gars. T'as vu, moi, j'essaye de trouver des solutions, t'as capté? C'est bon. Je crois que j'ai trouvé. Si on y arrive, c'est une idée qui tabasse. Faut juste qu'on trouve une bête de turbo. Bah, on l'a qu'à demander à Nabil. Quel Nabil? Nabil Automobile, frère, celui qui fait du business avec les gamos allemands, là. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Pourquoi t'as quoi en tête? Une dinguerie, frère. Bon. Oh, c'est une dinguerie, ça. Porsche GT3, 500 chevaux, 9500 tours minute de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Un petit bijou, magnifique. Quoi? Ah non, 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 celle-là, c'est mort. Le propriétaire vient la récupérer demain matin à 10h. Faut qu'on tente cette nuit, alors. Attendez, attendez. Je gagne quoi, moi, là-dedans? Plus de ça, Nabil, c'est pas un clip avec n'importe qui. C'est avec ma star. Hein? Il y a ma star dans le clip. Oh les fils de pute! Oh les fils de pute! Ouais, c'est ça, on est dans un esprit de baisse, hein? Oh, il va à 200 km/h, ton pote! Qu'est-ce que tu me racontes là? Il était à 300 là, t'as pas entendu la rupture là? Yes, mon pote! Yes! On va voir qui c'est qui va baiser qui là. Voilà. Tu passes quoi là? Et voilà les bâtards! Tiens, viens avec moi.